Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on ne se retrouve pas pour une vidéo carterie, ça viendra plus tard. J'ai d'autres idées à vous partager avec des produits Action. Là où ce matin, en allant faire les courses, eh bien, au lieu de faire les courses à mon magasin habituel, on est allé un peu plus loin et on est allé faire un tour chez Action pour essayer de trouver les nouveaux Dyes. Bon, ils sont toujours pas arrivés dans l'Action où je vais habituellement. Bon, à part celui que ma cousine m'a trouvé, bon, là, ben, j'ai pas trouvé. Enfin, ma cousine n'est pas revenue finalement. Du coup, j'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé, je pense, des nouveaux blocs. Enfin, pour moi, c'est des nouveaux blocs 30 par 30. Alors, je voulais vous les montrer. Et ainsi aussi partager une petite idée. Comment dire, d'amusement en famille. Alors là, le nouveau black, je vous montre ça. Ça va être vite fait. Alors j'en ai pris deux parce que je pense faire un album avec. Alors je ne sais pas si c'est nouveau. Pour moi, c'est une nouveauté. Voilà le nom du black. Et il y a de magnifiques photos. Alors, c'est en double. 24 pages et de 12 modèles, sans doute. Non, 24 designs en deux fois, pardon. Voilà comment ça se présente. Ici, les libellules. Là, des fleurs. Ici, un quadrillage, non pas un quadrillage, des petits traits, des rayures. Ici, des écritures avec des timbres. Comment c'est sympa. D'habitude, c'est des gros timbres, enfin des gros cachets de timbres. Là, c'est des petits cachets. Ensuite, on a de jolies photos là, en miniature. Venise, des tickets, c'est sympa, je trouve. Ici, des fleurs, enfin, moi j'aime moins cela. Ça. Là, ici, plein de cachets de timbres, de cachets postaux. Ici, des photos de Venise, des cartes postales. Là, allez, une sorte de carte. Pareil, là c'est Londres, des papillons, il est vraiment joli, un peu sur le ton violet, des petites étiquettes vintage. Voilà, là c'est un vert, un joli vert foncé avec des fleurs. Ici plein de cartes postales. Voilà, pour faire, voilà, même pour faire un junk, incorporer ces cartes postales, c'est super joli en plus, derrière aussi. Là, c'est une page fleurie rose. Là, c'est quadrillé en gris bleuté un peu. Là, il y a du vert. Ici, une magnifique photo sur Venise. Là, on dirait une page de journal en plusieurs effets. C'est sympa. Du violet, du vert et du marron avec des clés. Et là, on retrouve à nouveau le même design. Je trouve ça super super joli ce bloc. Alors il y avait deux autres nouveautés aussi de bloc. Bon, j'ai pris que ces deux, je n'ai pas pris d'autres. Ces deux, enfin, celui-là m'a plu. Il y en avait un autre sur les tons verts aussi, qui était pas mal. Mais comme j'en avais déjà un sur le même ton, j'ai préféré, voilà, comme je ne l'ai pas utilisé, j'ai préféré ne pas le prendre. Ensuite, il y avait les petites décos. Des petites décos d'automne, donc j'en ai pris pour faire, voilà, des albums d'automne et pour pouvoir les mettre en bijoux d'album. Petit renard qui est super mignon avec le petit foulard rouge, là le petit renard marron, des petites fleurs, des champignons, et là j'ai pris le hérisson et l'écureuil. Le hérisson avec sa petite pomme et l'écureuil avec le gland. Alors les prix, je sais pas, je n'ai pas gardé le ticket, enfin le ticket dans mon sac, je ne l'ai pas pris avec moi. Je ne sais plus les prix. Désolée. Bon, moins de 2 euros, je crois que c'est 1 euro et quelques. Hein. Je ne sais plus. Ensuite, j'ai pris des pochettes pour la... Allez, je ne vais pas y arriver. La plastifieuse, j'en ai pris deux comme j'ai fait du rangement dans les tampons. J'en avais plus,
Je m'en suis repris deux paquets. Je vais vous montrer aussi alors des petits Lego, enfin des petites boîtes avec des Lego dedans à monter. Et enfin, une animation que j'ai fait, enfin, une animation. Pas une animation. Moi, j'ai deux grands enfants, comme vous savez, j'ai deux grandes filles. Ma fille qui est voilà, qui est en couple avec un jeune garçon. Et quand je fais un repas de famille, enfin quand je fais le repas le week-end, des fois, je sais pas, on joue au tarot, on essaie de s'occuper un maximum, de les occuper un maximum l'après-midi. Ils ont beau être grands, ils aiment bien faire des jeux de société. Et dernièrement, j'ai trouvé des petites, voilà, des petits jeux comme ceci, enfin des petits Lego à monter. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas en prendre un chacun avec la particularité de chacun. Je sais que ma petite, enfin ma cadette, elle aime les chats. Mon mari aime bien les vaches puisqu'il aime, elle adore la campagne. Du coup, j'avais trouvé bon, le petit chat pour ma fille. Donc, lors du repas, à la fin du repas, pour les occuper, j'en avais donné un chacun. Et montre à main, c'était à celui qui montait le petit personnage le plus rapidement possible. Bon, moi j'ai perdu parce que je n'ai pas réussi à monter le mien. Je ne suis pas très douée dans le Lego. J'ai jamais acheté de Lego à mes filles. Elles avaient des Playmobil, oui, mais pas de Lego. Du coup, après les explications, c'est quand même. Il marque à partir de 6 ans. Bon, celui qui est habitué à monter le Lego, il va le trouver facile, mais bon. Alors, ma petite, elle avait eu le chat. Mon mari la vache. Alors, je trouve ça super adorable une fois monté. C'est assez sympa. Bon, après, c'est un peu fragile, ça se démonte assez facilement. Du coup, on s'est un peu énervé tous ensemble. Bon, enfin, on a bien ri. Donc, ça peut être des animations, enfin des trucs à faire par exemple pour Noël, pour un repas de Noël. Vous avez des invités, vous en achetez un chacun. Il y a plein de sortes. Là, j'en ai trouvé d'autres modèles. Là, aujourd'hui, j'ai trouvé la girafe. Bon, après, pour le gagnant, j'en avais acheté un de plus. Et le gagnant, voilà, c'était le gorille qui devait monter devant tout le monde plus rapidement possible. C'est ma fille qui a gagné, qui avait monté le chat le plus rapidement. Du coup, elle a monté le petit gorille. Et moi, voilà, je m'étais pris la pieuvre en pensant que c'était la plus facile parce qu'il n'y avait qu'une seule couleur. Et finalement, j'ai super galéré pour la faire. Donc, petite pensée à Ludivine. Je sais qu'elle aussi, elle l'a pris, elle l'a monté, elle l'avait montré sur Insta. Quand elle avait montré sur Insta, j'avais déjà fait le repas et j'ai rigolé parce que je me suis dit, tout le monde a les mêmes idées d'acheter pour s'occuper à monter des petites bricoles. C'est vrai que ça fait des animations assez sympas en famille, on a bien rigolé. Donc ça peut, voilà, je me suis dit, ça peut vous donner des idées. Donc là, j'ai pris pour ce week-end, puisque ma fille est partie en vacances, enfin, elle est en vacances avec son chéri. Donc ils arrivent ce week-end, donc comme ça leur a plu, c'est surtout ma grande, elle a bien ri, parce que bon, quand elle me voyait m'énerver et voir son chéri s'énerver aussi. Du coup, j'en ai repris d'autres modèles. Ah ouais, ma grande, elle avait. Qu'est-ce qu'elle avait, elle? Son chéri a eu le perroquet. Voilà, le perroquet. Et elle a eu. Je sais plus. Oui, alors, elle a eu le signal. Comme elle est du lion, alors j'avais pris le lion. Du coup, elle a monté le lion. Bon, je ne peux pas vous les montrer parce qu'ils se les sont amenés. Ils étaient tellement contents. Et ça permet aussi, voilà, de discuter ensemble et d'en connaître un peu plus voilà, sur le petit copain de ma fille. Voilà, et là, du coup, on a appris qu'il aimait les renards, lui. Il était fan de renards. Et là, quand on est allé, voilà, j'ai trouvé le petit renard. Donc, ce week-end, voilà, son petit personnage à monter le plus rapide, ça va être le petit renard. Bon, la girafe, je ne sais pas à qui je vais la donner. Alors, ma fille, cette fois-ci, aura le chien. Puisque, bon, elle aime les chiens. Bon, ma petite aussi, elle aime le chien. Mais bon, là, je vais le donner à ma grande. Ou le zèbre, je sais pas, je vais hésiter. Parce que je sais qu'elle aime les chevaux, ma grande aussi. Donc peut-être elle aura le zèbre et le chien pour la petite. Et ensuite, j'ai trouvé le flamant rose. Je pense que je vais me le prendre pour moi. Il m'a l'air un peu plus simple, peut-être à faire. Vous voulez voir. J'essaie de m'arranger pour aller le plus rapide. Mon mari, je pense que je vais lui faire le tigre. Parce que même le mari s'est éclaté à faire ça. Et ensuite, j'ai trouvé la panthère. Hein. Donc voilà.
Bon, j'ai pris, comme j'ai vu que les mauvais, il y avait la tortue aussi. Je voulais la prendre, la tortue, mais je ne l'ai pas trouvée jolie. Il y avait d'autres, je crois qu'il y avait deux, trois modèles de plus. Bon, je me suis limitée quand même. Parce que le mari ne risque pas d'être content de voir que, bon, ça vaut 99 centimes le paquet. Et voilà, moi je pense que ouais, ça peut être assez sympa pour Noël. Voilà, les prendre pour Noël et les mettre de côté. Et ouais, faites des animations comme ça. Et je peux vous dire qu'en famille, on s'éclate. Hein. Enfin, après, il faut aimer voilà, le bricolage, il faut aimer. Mais bon, ça fait une sympa animation, vous me direz. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que vous avez vu déjà cette idée-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris à Action. Il n'y avait rien à nouveauté. De toute façon, moi j'étais partie dans l'option, enfin dans l'optique d'acheter, de trouver les nouveaux dies, chose que j'ai pas trouvée. Tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye!